Yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur Fortnite, mode créatif. Pourquoi je parle aussi vite, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, on est bien, on est tranquille les gars. Aujourd'hui on va se faire un dropper parce que j'aime énormément les droppers. Vous kiffez énormément les droppers, je kiffe, tu kiffes, on kiffe, nous kiffons, vous kiffez, ils kiffent. Voilà, nous avons fait, nous avons conjugué le verbe kiffer au présent je crois, hein. Ouais c'est ça. Bref, les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire un dropper du coup. Alors c'est un dropper, alors c'est un semi-dropper quiz à ce que j'ai compris. Regardez, complète chaque dropper et répond à la question tout en bas pour avoir l'item. Donc voilà, d'abord on fait le dropper, ensuite il y a une question, il faut qu'on ait bon. Une fois qu'on a bon, on récupère l'objet et on a réussi le niveau. Il y a combien de niveaux? Il y a 1, 2, 3... 4, 5, 6 niveaux. Il y a 6 droppers au total. Donc j'ai envie de vous dire let's go. Je pense honnêtement, je vais rouler sur le dropper. Frérot, j'aime pas me vanter. Tu vois, j'aime pas me vanter, mais il est vrai qu'en dropper, j'ai un certain talent. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, regarde, j'ai bien analysé. Faut sauter là, tu vois, hop. Et voilà. J'étais trop sûr de moi. C'est le karma. C'est le karma qui a parlé. J'ai été trop sûr de mon coup, frérot. Par contre, là, je passe. Là, je suis désolé, mais là, je passe. Attends, j'ai sauté de où déjà? De là? Oh attends, je suis perdu. J'avais sauté d'où? Non, j'avais sauté de là, de là, de là, de là. Voilà, regarde. Hop. Oh attends, attends, en fait c'est pas si simple. Il est serré, les trous sont serrés, les trous ils sont serrés, frérot. Mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète mon petit pote. Si j'ai sauté de là, ouais. Voilà, ça passe, ok. Ah oui, parce que c'est un dropper sur le thème de la Game Boy. Donc les questions vont être par rapport au Game Boy. En quelle année la première Game Boy a-t-elle été créée? Je pense 1989. 1996, ça me paraît assez récent pour la Game Boy, hein. Ça me paraît très récent parce qu'il y a eu la Game Boy Advance, Game Boy Color, et il y a eu les toutes premières Game Boy, hein. Donc je pense 1989. Oh, ah bah j'ai eu bon. Bah attends, mais j'ai pas eu d'objet là. Ah, bah attends, mais il y a un problème. Ah, ok, ah, mais il y a deux questions. Putain, mais il y a deux questions. Oh, frérot, ça devient compliqué là. Le pire, c'est que si je meurs, je dois refaire le dropper. Ah, ouais, oh, le truc de bâtard. Combien de Game Boy ont-elles été créées? 8 ou 6? 6 ou 8 Game Boy? Pour moi, il y en a eu beaucoup, hein. Moi, je dis 8. Pour moi, il y a eu beaucoup de types de Game Boy. Ils étaient juste là, les rebondisseurs. Ils étaient juste là. T'inquiète, pas de soucis mon frérot. Voilà, boum. En fait un dropper, quand tu sais le faire une fois, tu sais le faire tout le temps, c'est tout. Du coup c'est 6. Ok, il y a 6 types de Game Boy qui ont été créés. Parfait. Ouh. Ok, du coup on a un rebondisseur. Sachant qu'il nous en faut 6 du coup, c'est ça. Alors, niveau 2. Prochain, oh attends mais on voit rien. Faut vraiment aller dedans. Oh. Ah oui, bah oui, ok. Ah oui putain, waouh, par contre ça nique les yeux, hein. Ça m'explose les yeux, mon frère. Alors là, par contre, je veux des GG dans les commentaires. Je veux des... vous mettez le timer de la vidéo avec un GG. Vous mettez 3-32 GG. What was Mario's job? Quel est le métier de Mario? Mécanicien ou plombier? Il est plombier, nous le savons. On le sait, les gars, bien sûr. Qui savait pas? Tout le monde savait. Qui Mario est toujours en train de sauver? Princesse Daisy, princesse... Ah ouais, mais les gars, les questions encore plus faciles ou... Non mais attends, frère, bien sûr qu'il sauve Peach, tout le monde le sait. Ok, du coup, niveau 2... Attends, le niveau 2, on la graille, mon frère. Oh, par contre, là, ça commence à se corser un peu, là. Attends, on va sauter là. Non mais frère, non mais là je suis trop chaud. Non mais là je suis trop chaud. Non mais là je suis trop chaud. Je suis désolé mais là je suis beaucoup trop chaud. Maintenant vous mettez 4, 18, GG. bref. Alors Mario Kart. Les bananes font que vous glissez et ça augmente votre habilité à drifter. Non c'est faux, c'est faux. C'est faux, les bananes, qu'est-ce que ça fait? Bah ça te fait tourner en rond et ça te fait perdre de la vitesse. You get... Ah putain frère, en plus c'est de l'anglais. Eh mais en fait c'est en train de travailler mon niveau en anglais, hein. Ça travaille mon niveau en anglais, ce petit dropper là. Parce qu'en vrai, moi je suis éclaté en anglais. Du coup là, faut que j'ai un petit peu de... Faut que je sois perspicace. Alors, tu es meilleur si les... Ah, tu as de meilleurs items si t'es en première place. Non mais là, frère. Non mais bien sûr que c'est faux. Non mais...
Non mais frère, tu m'as pris pour un dindon ou quoi? Tu me prends pour le dindon de la farce ou quoi? Non mais gros, c'est quoi ces questions beaucoup trop faciles? C'est quoi ces questions trop faciles? Ok, on continue, on continue. On a fait la moitié là, on a fait les trois premiers. Il nous en reste trois. Oula. Ah c'est... Ah ça va être sur thème Donkey Kong. Regardez, il y a des tonneaux, il y a des bananes. Il est où le pneu? Attends, je vois pas le pneu. Ah, il est là-bas. C'est un pneu ou un tonneau? Je crois qu'il est là-bas, le pneu. Alors, attendez. Oh, attends, ça va être chaud. Oh. Oh non! Non! Je l'avais pas vu à cause de mon gros corps! Il y avait mon gros corps qui gênait! Ok, attendez. Oh mec! Oh, celui-là, il est un petit peu plus compliqué, hein. Parce que comme, en fait, comme il y a mon perso, j'arrive pas trop à voir ce qu'il y a en dessous de moi. Du coup, faut que je préchote. Et sauf que comme il y a des tonneaux partout, frère. Je savais qu'il y avait un tonneau. Du coup, je voulais l'esquiver. Et sauf que j'ai trop esquivé, là. Allez, frérot. Là, c'est la bonne. Wouh! Nice! Cette fois, c'est la bonne. Je l'avais dit ou pas? Ok, Dem Donkey Kong, j'avais deviné. Alors, hey, c'est trop stylé ce système de dropper et questions. Par contre, là, j'ai pas envie de mourir parce que je t'avoue que je sais pas si je vais le refaire. Hein. Alors, quand Donkey Kong. Ah, putain, quand le premier Donkey Kong est sorti sur Game Boy? En vrai, la Game Boy, on a dit qu'elle a été sortie en 1989. Je sais que Donkey Kong, c'est un des premiers jeux historiques de la Game Boy. Moi, je dis 1991. En plus, mon explication elle avait l'air tellement carrée, tellement claire et tout, et pas du tout. T'inquiète. J'ai dit quoi? Un dropper, tu le réussis une fois, tu le réussis pas forcément toujours. Non, 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 j'avais faux. Ma citation était donc fausse. Ok, nice. Ok. Du coup, 1994. Par contre, là, j'ai vraiment pas intérêt à Diddy Kong. Oh non, me dis pas, il faut. Oh. Quel est le nom du neveu de Donkey Kong? Nephew, c'est neveu, hein. Ouais, je crois que c'est ça. Diddy Kong ou Diddy Kong? Putain, mais. Mais oui, il s'appelle Diddy Kong. Mais il s'appelle Diddy Kong avec quelle écriture? Diddy Kong ou Diddy Kong, les gars? Moi, je dis Diddy Kong, hein. Dans le chat, Diddy Kong ou Diddy Kong? Putain, je crois pas qu'il y a de Y. Je crois que le Y, c'est un piège. Mais putain. Il faut que je refasse ce dropper de mort. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Oh non, putain, j'avais oublié ce que. Oh là là, gros, je vais commencer. Ça y est, c'est en train de me faire rager là. Donkey Kong, il commence à me saouler, frère. Ok, nice. Wouh, nickel, nickel. Du coup, ici. Non. 1994. J'ai failli me refail, frère. Diddy Kong. Voilà. Nickel. On a le rebondisseur, on est bon. Niveau 4 réussi. Allez, il reste niveau 5 et niveau 6. Allez, mon petit frérot. Oh, ça va être sur le thème Pokémon. Oh, Pokémon, par contre, je suis inclassable, frérot. Pokémon et Mario, je suis. Attends, il est où le pneu? Ok, le pneu, il est au milieu. Donc, ça, j'ai pas de soucis à me faire. Mais faut que j'esquive. Ok, pas de soucis. On va y arriver. On va y arriver, mon pote. Tu me fais confiance ou pas? Oh, non, mais là, c'est trop serré. Là, frère, les trous, ils sont minuscules, frère. Putain! Attends. Fais-moi confiance. Oh! Nice! On est rentré en douceur. Combien de Pokémon y a-t-il dans la première génération? 151, bah évidemment, on le. Putain, une double porte, ça m'a fait stresser. Café H, quand elle est arrivée. Oh merde. J'ai pas regardé, moi j'ai joué au jeu Pokémon, mais j'ai pas regardé l'animé Pokémon. Que. Attends. Que fait H quand il. Non. Que. Ah! Que voulait devenir H? Que voulait devenir H? Mec, j'ai dit de la merde. J'ai dit que fait H quand il est arrivé? Que voulait devenir H? Attends. Qu'est-ce qu'il voulait devenir? Bah, je pense à un Pokémon Master. Hein. Un King Master. Je sais même pas ce que. Un Pokémon Master. Bah oui. Bah oui, voilà, c'est logique. On est dans Pokémon. On est dans Pokémon. Bien sûr qu'il veut devenir un maître Pokémon. C'est logique. C'est logique, mon frérot. Ok. Oh. Alors là, par contre, je sais pas du tout, ça va être quoi ce thème-là. Attends, mais il est trop dur ce dropper. Mec, il a mis des trucs partout. Il a fait. Ok, le mec qui va faire ce dropper, il se démerde. Il a mis des trucs partout, frère. Oh.
Attends, what? Attends, what? C'est possible ça? Il est possible à faire ce dropper? Non mais what the fuck? Déjà faut sauter de là, c'est sûr. Oh non! Mais attends, mais il est impossible à prendre le pneu! Qu'on se mette d'accord! Le pneu est impossible à prendre, les gars! Faut peut-être sauter d'un autre. Non mais mec, c'est impossible de sauter d'un autre endroit. Aussi de là. Oh là là, gros, j'ai eu de la chatte! Oh, j'ai eu de la chatte! Alors là, pente, j'ai tellement pas intérêt à me foirer sur les questions, frérot. Choisis. Oh non. Oh non. Allez, je suis gaucher. On fait confiance, les gars. Gauche. C'était gauche? Oh, c'était gauche. Oh, j'ai tout niqué, c'était gauche. Ouh, vive les gauchers. Have you enjoyed the... Est-ce que t'as aimé la map? Oui. faut être des gros suceurs. On va pas hésiter à sucer. Oui. Oui, c'était la bonne réponse. Je suis un gros suceur. Place your bouncer onto the gold X. Ok. Hop. Ok, du coup là on en place 6. Et logiquement, on devrait avoir le fucking GG. Les petits potes, je compte sur vous. C'est le moment de mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, les gars. C'est ce moment là Profitez-en, ne vous loupez pas. Et on va arriver au GG. Attention le GG, mon frère. Oh non. Imagine le GG, en fait c'est encore un dropper. Oh putain, attends, mais je peux encore mourir, gros. Attends, mais le GG c'est un Deathrun, frère. Ah, if you watch a creator. Oui, le GG! Thanks for playing! GG! Oh là là, il y a même un avion et tout, gros, c'est trop kiffant! Allez, c'est bandi! Du coup, on va voler au-dessus de la map. Fais voir, elle ressemble à quoi la map? Attends, frère, je sais plus conduire l'avion là. Ok. Ah ouais, on voit tous les droppers. On voit tous les droppers. Ok, lourd. Nice, nice, nice. Bon bah les petits potes, j'espère... Oh, il y a un hélico. Il y a un hélico en train d'exploser. Oh, attends. Ah oui, la map c'est une Game Boy. La map c'est une Game Boy, attends. Attends, il me semble que la map est une Game Boy en fait. Attends, t'es prêt ou pas? Ah ouais. Ah, et là on voit tous les drones. Oh, ça tue. Ah ouais, franchement GG hein. Le mec qui a créé la map, il s'est vraiment chauffé hein. Bon bah les petits potes, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes, je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe, bisous les